Je m'appelle Mohamed Mesbahi. On est venu en Belgique en septembre, 19 septembre 1966. Pour moi, à l'époque, la Belgique, c'était au Maroc. On entendait Belgique, Hollande, Allemagne, France, on entendait tous ces mots. Et pour moi, la Belgique, c'était la capitale de la Hollande. Je croyais que Bruxelles, c'était une ville en Hollande. Tu m'as manqué. Il y a une petite anecdote qui nous s'est passée à moi et mon frère, qu'on a eu le premier jour de l'école. Nous, qu'on croyait qu'on allait avoir des problèmes, avoir des amis, il y avait environ 2000 élèves qui se sont mis à 5-6 mètres comme ça autour de nous. Et nous, on était contre le mur et on n'avait jamais dans notre vie attirer le regard de tant de personnes. On n'était pas des stars, on n'était pas des... Et de ce tas de groupes, au fond, de ce cercle de gens, des élèves qui avaient autour de nous, il y a un qui est sorti du cercle et qui est venu chez moi. Il m'a dit en français, « Voulez-vous jouer avec nous ?» Et c'était un ami qui est resté ami jusqu'à maintenant. Bonjour mon ami, ça va? C'était le récréation et tous les élèves de toute l'école étaient là pour regarder. On n'a jamais vu ça. C'était les premiers, c'était la première famille. On était comme des Martiens, ils n'avaient jamais vu, ils n'avaient vu que des Flamands. Mais je suis venu chez eux et je les ai présentés de jouer avec nous. Et comme ça, on a resté des amis depuis 50 ans de près. On allait jouer de la musique, mais on n'avait pas d'instrument. Alors on va au magasin à Gand, et on a vu des guitares qui nous plaisaient. Mais le prix, c'était trop, parce que son père, il ne voulait pas payer. Alors on est allé à la maison, moi j'ai dit à ma mère, j'ai vu une belle guitare, mais ça coûte le double. Alors on avait chacun un. On a retourné au magasin et ma mère m'a donné le double. Comme ça, on a acheté deux. Et c'est comme ça qu'on a commencé nos premières guitares, moi et Walter. Si je joue de la musique, c'est... Ouais. C'est grâce à lui. Ils m'ont souhaité le bienvenu au village. Ma mère était étonnée parce qu'elle n'était pas habituée que les gens viennent se présenter et se dire voilà, bienvenue au village, si vous avez besoin de quelque chose, on est là et tout ça. Ma mère, la pauvre, elle pensait qu'on allait être mis un peu comme les parias, un peu mis sur le côté, et c'était pas vrai. Et ma mère d'ailleurs a fait plein de progrès en flamand, plus que mon père, parce qu'elle avait plein de copines qui venaient dans la cuisine chez elle, et elle allait chez la cuisine chez les autres, et les gens changeaient encore le sucre, le sel. C'était une autre époque, au fond, c'était... Les gens, ils étaient plus humains, partout. Même au Maroc et ici, partout, ils étaient plus humains. On avait deux maisons, mais on avait une famille. On était vraiment accueillis comme des amis, comme quelque chose de bien. C'était vraiment sympa à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris un chocolat avec des liqueurs dedans. Et comme il ne boit pas, c'est la première fois de sa vie qu'il goûte un liqueur. Alors t'as aimé le whisky? C'est bon? Down, 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 down